Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les trois récompenses que vous voyez actuellement à l'écran. Donc il y a un spray et deux émoticônes que vous allez pouvoir débloquer gratuitement. Alors pour débloquer ces récompenses-là, il faudra aller, quand vous allez dans choisir votre mode de jeu, il y a la section par épique et il y a la section compétition de Fortnite. Il faudra choisir le mode de jeu zéro construction en arena et c'est obligatoire de jouer à 3. Donc il faudra que vous soyez 3, donc jouer en trio pour débloquer les récompenses et participer au mode 0 construction en arène. Donc voilà, c'est un mode arène mais sans construction. Et pour débloquer les 3 récompenses, bah, en fait, il va falloir que vous marquez des flammes, donc des points, des succès. Il va falloir que vous gagnez des succès. Donc si vous gagnez 400 succès, vous débloquerez le spray plutôt. Vous débloquez le spray. Drippy Drift. Donc voilà, je vous l'affiche à l'écran. Donc ce spray là c'est pour 400 succès. Donc dès que vous aurez 400 succès. Ensuite, si je me trompe pas, c'est bien ça, ouais. Ensuite, quand vous aurez atteint la ligue de rivalité, là vous débloquerez les modes, l'émoticône GG. Donc l'émoticône que je vous affiche à l'écran maintenant. Donc cette émoticône, vous la débloquerez quand vous atteindrez le mode ligue rivalité. Et ensuite pour l'émoticône Guaticon, là il faudra atteindre la ligue champion. Donc ça va être quand même compliqué pour atteindre la ligue champion. Mais bon, la ligue rivalité, je pense que vous pouvez y accéder assez facilement. Je pense que si vous êtes un bon joueur, vous allez y arriver facilement. Mais la ligue champion, elle va être un peu compliquée. Mais voilà, si vous y arrivez, vous débloquerez cette émote, donc l'émoticône que je vous affiche actuellement à l'écran. Donc voilà, rien de plus compliqué, enfin c'est quand même compliqué d'arriver à la Ligue Champion, mais voilà, rien de très compliqué. Si vous voulez débloquer ces trois récompenses, vous avez juste à jouer au mode compétition à la zéro construction en arène en trio. Donc voilà, voilà, mais je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulu Mike et ciao. Peace. I'm Nick, bruh.